Vous êtes les organisateurs du salon. Comment se déroule le flashback? Ça se déroule tranquillement. Ça se passe bien. Les gens s'amusent un petit peu dans le salon au niveau des animations que l'on a mis en place. Il y a des spectacles assez intéressants, comme le show de Michael Jackson hier, qui a bien marché. Le sosie, hein. Le sosie Michael Jackson, bien évidemment, on ne l'a pas fait revenir de l'au-delà. Ben en fait, bon, c'est une première édition, on n'a pas autant de monde qu'on espérait, mais bon, on s'y attendait un petit peu, c'est toujours un peu particulier. Après, en termes de programmation, on est très content. Franchement, c'est le salon que je voulais voir. Bon, François Corbier qui est venu, qui a remplacé au pied levé justement les frères Bogdanov qui nous ont lâchés en dernière minute. Et en fait, même s'il n'a pas été annoncé, comme d'ailleurs Steve Nixon pour le Michael Jackson, c'est les deux animations qui ont le plus ramener de monde quoi, en salle de conférence ou en amphithéâtre. Après, hier soir, on a eu le concert avec Émilie Image, Jean-Pierre Madère, Desirless. Pareil, il n'y avait pas beaucoup de monde, on devait être 250, 300 maxi. Oui, tout à fait. Mais par contre, voilà, c'était un concert hyper intimiste. On s'est. C'est quand même exceptionnel. Ouais, c'était vraiment super bien. Quoi. On s'est fait plaisir. Quoi. Et tout le monde, le peu de monde qui était là en tout cas, a vraiment, vraiment adoré. Ils veulent tous revenir l'année prochaine. Et à Émilie Image, quand on fait le dernier concert, à la fin du concert, ils ont dit bon, allez, ça vous dirait qu'on recommence le concert depuis le départ, on continue jusqu'au bout de la nuit. Et ils l'ont pas fait. Et ils ont chanté quelques chansons en plus. Et vraiment, on voyait les gens, ils étaient là, ils criaient, ils tapaient dans les mains, ils étaient à fond, quoi. Et quel était le but de l'opération? Faire découvrir les années 80 aux plus jeunes? Les deux? Oui, voilà, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. D'une part, effectivement, faire découvrir aux plus jeunes les années 80 et les faire redécouvrir aux plus âgés. Enfin, un petit peu plus âgé. Justement, c'est pour ça que l'on a fait venir des invités qui touchent un petit peu la clientèle, on va dire... TGS. TGS, voilà, les 20-30 ans. Et également des invités qui parlent à une clientèle qui a maintenant une famille avec des enfants, 40 ou 50 ans. Sans aucun problème. Après, les années 80, c'est beaucoup de choses. Hein. Donc, nous, ici, on n'a pas la prétention de dire qu'on parle de l'intégralité de ce qui s'est passé des années 80. Mais pour une première édition, on voulait faire un truc festif. Donc, voilà, quelques jeux rétro, des jeux de plateau, des flippers, des chanteurs de générique, Nelly Olson de la petite maison de la prairie. Vraiment, on voulait toucher quelque chose de très positif. Après, il y a beaucoup d'autres choses. On en parlera dans les prochaines éditions, je pense. Les années 80, c'est aussi la naissance de... Touche pas à mon pote, SOS Racisme, c'était aussi les années SIDA, dans le côté un peu plus sérieux. Mais on en parlera, je pense, dans les prochaines éditions. Mais là, c'est important de faire d'abord quelque chose de très festif et de joyeux. Et puis au fur et à mesure, on étoffera avec de nouveaux pôles, toujours ciblés. On a beaucoup d'idées pour ça. Et donc vous allez faire d'autres éditions, ça sera pour quand? On ne sait pas. On verra après. Très certainement, si on le refait, et on le refera très certainement, ce sera dans le même créneau des dates, de toute façon. L'an prochain peut-être. Oui, de toute manière, si on le refait, ce sera l'an prochain, oui, tout à fait. Et vous avez d'autres projets, le TGS qui approche? Il y a le Spring Break qui arrive dans 2 mois. Tout à fait. Oui, ça va passer à pas tarder. On est en train de faire quelques annonces plutôt intéressantes qu'on peut retrouver sur notre site internet. On aura Guillaume Bria, le roi Burgonde de Kaamelott, en fait, qui viendra. En plus, il a un petit court-métrage qui sort dans quelques jours, là, qui s'appelle Georges. A priori, on est en train de voir, mais on devrait avoir une projection sur le festival. Et t'es même en exclu, je peux vous dire, il y aura un deuxième acteur de Kaamelott qui est en fait le garde du corps d'Attila. Qu'on voit souvent, qui fait soit le con. Et c'est Guillaume qui en a parlé, justement, Guillaume Bria. Il a dit, je vais à Toulouse en avril, tu veux pas venir avec moi? Et il m'a contacté et on lui a dit oui. Hein. Voilà, donc on va faire une jolie opération Kaamelott, je pense, en avril. Ouais. Et comment vous arrivez à faire venir ce genre de personnes? On demande. Après, c'est du bouche à oreille. Quand on, voilà, c'est facile, une fois qu'on a fait venir Alexandre Astier, d'aller voir les autres et de leur dire, bon, on a fait venir Alexandre Astier. A priori, ça lui a plu. Et puis, en plus, lui, il l'a dit que ça lui avait plu à son entourage. Donc, oui, on vous connaît. Ah, ben oui, écoutez, on veut bien venir. Même s'ils n'ont pas du tout l'habitude. Hein. Guillaume Bria, c'est la première fois qu'il va faire une convention. Donc, c'est un acteur de théâtre. C'est un mec qui est hyper sérieux dans la vie, quoi, en fait. Quoi. Et donc, il va arriver et pendant 2 jours, il va faire couillère. Donc, ça va être... Voilà, mais après, c'est souvent du bouche à oreille. C'est-à-dire, c'est des acteurs qui se croisent en convention ou sur des plateaux de tournage, et quand on lance une invitation, ils en parlent entre eux. Ah oui, mais moi j'y étais, moi je connais. Et donc, du coup, ils savent que ça se passe généralement bien.
D'accord. Merci beaucoup. Flash, 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 flash